ouverte. La porte ouverte. Bon, on a essayé de l'ouvrir, c'est pas ouverte. Elle est fermée. T'es arrivée? Oui. Et t'es arrivée où? Bah encore dans une salle. Encore? Ok, ouais. Attends, j'arrive. Allez, Lina, viens. Ah, attends, j'arrive. Lina, cette fois-ci, ça a changé, c'est des trous. Ah ouais, j'avoue. Bon, t'as les ciseaux pour ouvrir? Elle a oublié. Mais Lina, y a pas de clous. Ok, pousse alors, pousse. Pourquoi entre? Et ça peut pas. Essaye, attends, essaye de le monter ou le mettre sur le côté. Oh, 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 trop bien, allez, on passe. Assis. Ah, ah. Il faut que tu gardes. Attends, ça va vite. Ah, mon dos. Ah mec, j'ai plus de main. Mon dos. Aïe. Ah, c'est bon, on est arrivé. C'est trop tard. Bon, essaye d'ouvrir la porte, peut-être dans des classes ils oublient d'ouvrir, de fermer. Toujours autant fermer. Ah, en haut, peut-être qu'il faut pousser. Mais il y a pas de clou encore. Oh, il y a pas de clou. Mais c'est, on peut pas. De toute façon, on va changer les ciseaux. Peut-être qu'il y a encore un mécanisme, Amel. Comme le skate game d'avant. Ouais. Oh my. Oh là là, la planète. Amélia, ma planète préférée, c'est Jupiter, regarde, parce qu'elle est juste autour d'elle, c'est trop beau. Moi, c'est Mars, parce que je suis née en Mars. Ah, je suis Mars. Alors, regarde, c'est écrit en minuscule. J'arrive même pas à lire comme ça. Parfait, un télescope. Alors, on peut utiliser le télescope pour le lire. Attends, tiens, lis. Il est trop grand. Ah oh ouais, j'avoue, j'ai un. Je crois que c'est bon, tiens. L'autre côté. C'est comme ça. L'autre côté. J'avoue, c'est de l'autre côté. Attends, mais là, comme ça. Mais non, c'est... c'est comme ça, c'est bon. Attends, mais lis-le bien. Là. Oh oh. Mais lis. Tu vois ta petite face. Est-ce que tu vois mes boutons? Allez, lis. Donc il faut mettre les planètes dans un bon ordre. La première planète, c'est la plus petite. Allez, on va chercher. C'est bon? Il n'y avait plus rien, ok. Alors la plus petite, c'est Mercure. Tu la mets ici. Tu trouves? Ici. Mais c'est Mars. Oh, ma... Là, elle est là. Elle est là. Mercure. Là, c'est le côté soleil. Là, c'est le côté noir. Okay. Vers la lune, donc tu le mets comme ça. Parce que le soleil, c'est là-bas. Et après, là, c'est la lune. Non, c'est la lune. Merci. Allez, on continue à de lire. Après la planète la plus chaude. La plus chaude, c'est Mars. Amélia, c'est pas Mars, c'est Vénus. C'est ça. Tiens, comme ça. Donc il faut mettre celui-ci. Vénus, voilà. On lit encore. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Allez. Après, la seule planète où on peut vivre, donc la Terre. C'est facile. Tiens, c'est je le mets. Je la mets. Et hop. La quatrième planète la plus délicieuse, c'est la. Alors, je pense que c'est la Lune. Qu'est-ce que tu dis, pourquoi? Parce que elle ressemble comme, comme un fromage. C'est pas une planète la Lune, c'est Mars parce qu'il y a le chocolat Mars. Chocolat Mars. Ah ben je sais. Je voulais te tromper, Lina. Ça va pas marcher. Allez, non, je vais le coller. J'aime les coller. Dan. C'est bon, je vais coller. Ah. Mais tu. Mais je trouve pas la feuille. Cinquième planète. Attends, à rapproche. Cinquième planète la plus grande. C'est Jupiter. Ah ouais, je pense qu'on a éloigné trop de trucs là. Ça va pas. C'est pas bon. Je te l'avais dit. On va partir vers là-bas, c'est pas grave. J'enlève juste ça du coup. Vacances solaires.
Vacances scolaires, c'est la même chose. Sixième planète connue par ses anneaux. Bah, bien sûr, c'est Saturne. La plus belle planète, ma préférée. Et on va la coller ici. Bah après, on sait très bien. Que... ça va partir comme ça. On sait très bien que. Oui, mais on lit quand même sa description. Septième planète. La septième planète la plus froide. Ça c'est Uranus, elle est collée ici. Mais non, mais là c'est pas la dernière planète, il y en a 8. Et le truc d'abord c'est même pas ouvert. Ils essaient de nous piéger. Cherche pas. Alors on va tout détruire, ça moi je peux sortir d'ici. Y'a rien. Y'a rien. Là, non, y'a rien. Attends. Là. Mais on n'a pas lu la huitième. Mais toi aussi, tu sais pas compris là. La dernière planète, dessinez-la. Bonne chance. C'est toi qui dessines. Bah non. Non. Mais d'abord, tu connais la couleur? Bleu. Alors la couleur, alors elle sera bleue parce que son nom vient du dieu grec, du dieu grec. Son nom vient du dieu romain des océans, c'est Neptune. Donc vu que l'océan est bleu, on va colorier la planète en bleu. On va prendre deux différentes couleurs, tiens le foncé, tiens le lion clair. Et on fait juste un rond, attends d'abord je fais. Pas ici. Si. Amélia, ils sont tous vers le soleil. Y a pas de soleil, mais on va faire semblant. Là y a du soleil. Yes. Ok c'est bon. Allez, on dessine. Attends, on doit prendre une couleur. Bah y a ça. Et bon ça. Okay. Il faut juste que ça soit bleu. Allez. Je sais pas. Tu viens mais. On dirait que le brouillage. Allez. Mais comment? Comme ça? Aide-moi. Du coup, moi, tu veux que je t'aide avec les mains? Dis-moi que de ce côté, je pense qu'il n'a pas fini jusqu'à le lendemain. Oh non, je dépasse. C'est pas grave. Allez, donne. Oh my god. Oh oui. On va sortir, yes. Attends, mais... La chaise. La chaise. Ah mais là, je viens te prendre, attends. Je m'en bouge. 1, 2, 3. Allez. Hop. Je suis trop petite. 1. Allez, allez. 3, 2, 1. Oui, oui, bientôt, allez. Oh, Amel, il y a une classe de physique chimie. Est-ce qu'il y a des clous au moins? Attends. Ah non, ça se monte, c'est bon. C'est bon, Amel, bien sûr. J'étais jamais là. Moi j'ai fait plein d'expériences ici. Oh, ça se trouve la porte elle est ouverte. On ne pas. Si dans les autres portes, si dans les autres classes c'était fermé, ben là aussi logiquement c'est fermé. Il faut qu'on fasse quoi comme escape game? Des potions. C'est quoi? C'est pour laver les tubes à essai. Ah. WC. Mais non pas WC, essai. C'est ça. Les tubes à essai, ils sont, c'est ça. Bref, alors regarde les produits. Ben je pense qu'il faut encore faire un truc, mais. Full coloration. Faut que je compte sur toi, Alina, pas sur moi. Quoi? Parce... Là, on peut compter sur ça. Ça, c'est sûr. Compter sur ça. Oh, il y a des papiers. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. Ouais, ce qu'on doit faire, Amel. Avec des carrés, avec des traits. Mais non, ça, regarde. Là. Donc moi j'ai jamais fait du physique chimie là. Mais en fait c'est des marque-pages. D'accord, d'abord on fait la première expérience. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors Amélia, je te dis des ingrédients, tu cherches, ok? Pommes de terre.
Non, ah non, j'ai souris. Non, il n'y en a pas, donc je pense qu'il faut faire ça. Du chou, on n'a pas non plus. Non. Alors, on n'a pas de citron. Juste de l'acide, mais ça va pas marcher, je pense. Je pense avec un ballon. Il n'y a pas de ballon. Si. Ah si. Là, on va faire une montgolfière. Il faut gonfler un ballon avec une bouteille. Et dans la bouteille, on va mettre. Attends. Bon, attends, on n'a pas de bouteille vide. Voilà, là, il n'y en a pas. Ah si, voilà. Là. Voilà, on a une petite bouteille. Alors, dans la bouteille, on va mettre 2 cuillères de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, c'est vers ici. Là, bicarbonate de soude. Après, dans une petite bouteille, verse 20 ml de vinaigre blanc. Tu les avais trouvés, vinaigre. Là. Super. Là, la chaise. Non, mais plus là, mets-la sur le côté du mur. Ça va servir à rien. Alors là, on est comme ça. D'abord, on va ranger un peu la table. Oh, tiens, Amélia. Qu'est-ce que tu fais? C'est plus facile. Et tu mettras aussi des lunettes. Amélia, tu regardes trop de films américains. C'est pas moi qui le fais, c'est maman. N'importe quoi, allez. Elle a déjà fait pour faire un sushi. Parfait. Il faudra que tu mettes. tu dois mettre 2 petites cuillères de bicarbonate de soude dans le ballon. Attends, je pense que je vais mettre dans le ballon. Comme ça. Vous l'avez jamais étudié? Ben non, je sais pas, non. C'est un nouveau truc peut-être. Attends. Comme ça, ça sera plus facile de le mettre. Attends, et après dans la bouteille, c'est bon. C'est bon, tu peux mettre. Mets-le dedans, dans le petit trou. Mais. C'est bon? Alors, Amélia, regarde vers 1 litre. 1, 2. Attends, c'est de l'autre côté. Là. 1, 2, 3. Tu me dis stop. Si tu t'es arrêtée toute seule. Il faut les mettre là. Oui. Non, 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 pas dans le ballon. Surtout pas dans le ballon. Faut qu'on enlève le ballon. C'était ma technique, ça. Pour pas que le ballon il tombe. Là, ouais, voilà, c'est là. Ouais, j'ai trop envie de voir le résultat. Attends. On va mettre ça par terre. Mais tout bon. Alors là, il faut qu'on tourne pour le fermer, pour pas que le garde de bonnet dessous toute part. Il faudrait que tu mettes sur le ballon. Allez. J'arrive plus. C'est pas grave, Amélie, on va tourner. Voilà. Ok. Allez. Là, tu prends le ballon. Genre là, j'ai fermé. Allez. Tu peux le faire chez le camp. Bah du coup, c'est mieux pour toi. Non mais j'y arrive pas. Tiens le ballon. La bouteille, pardon. Deux. Un. Oui. Ah je l'ai déjà fait en cours de physique chimie. Mais c'est aimanté et c'est parti dans ma tête. Tu peux nous enlever de la bouteille. T'as vu la première expérience que tu fais ça? Elle est bien, non? Je vais le retourner dans le ballon. Non, non, pas dans le ballon. Non, c'est ça même. Ah non, enlève pas. Déjà, on a fait une expérience. Et comment les gens qui ouvre la porte, voient qu'on a fait les expériences caméra, peut-être. Bref. Mais non, j'ai pas envie qu'il se dégonfle. Il se dégonfle pas, mais si je le prends en bas. Bref, alors là, on a fait une expérience. Voilà. S'il y a des collégiens qui regardent ces vidéos et que vous avez déjà fait cette expérience, n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, là, on regarde la suite. Ok, alors là, parfait. Une. Après. Je vais faire, je pense, vers... Y'a pas une étiquette, y'a pas une étiquette. Ah mais c'est pas ce cahier qu'on a besoin. Là. Alors une expérience comme ça. Pour faire des verres. Celle-ci de verre. Donc alors, on a besoin de quoi? Attends. Recommence l'expérience précédente, mais au lieu de faire tomber la solution. C'était quoi avant? Ok, il faut avoir les mêmes ingrédients qu'ici. Ajoute dans le verre de 25 ml. 20 ml d'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau. Là, il y a l'eau. Ah, H2O. H2O. Après, il y a ça. Un verre de 25 ml. C'est là? Oui, 25. Un peu de colorant aussi. Du colorant. On va prendre du rouge. Alors, 2 palettes d'alginate de sodium. C'est quoi? C'est le verre là-bas. Cherche ici. Ça
c'est quoi qu'on a besoin déjà? C'est d'alginate de sodium. Qu'est-ce que c'est ça? Carbone de sodium. Ah là, il y a des trucs. Tada! C'est bon, t'as trouvé? Bah là, ça sert sodium, à rien, mais alginate. Il y a des petits produits. Alginate. Ah, mais là aussi, disodium. Bref, t'en as déjà trouvé un, donc tant mieux. Prends celui-ci comme support. Prends ça comme support. A few moments later. Ah, il s'est rentré dans le... Parfait. Alors là, c'est bon, on a les ingrédients. Alors c'est du sodium alginate, du colorant, du H2O, un récipient. Une petite cœur, j'ai galéré à prendre. Alors ça, je pense qu'on va pas savoir. Et là, on va commencer par faire quoi? Mélange bien pendant au moins un. Ajoute dans le verre de 25 ml, c'est là. Ouais. Alors là, tu as rajouté 20 ml d'eau. Donc on a besoin de... Ça, on le met, non? Non, oui, mais on a besoin de 20, ça. Oui, allez. Oui, 20 ml d'eau. C'est bon? Non, encore un petit peu. Bah oui, encore. C'est pas grave, on a une partout. Top, ok, là c'est bon. Après, un peu de colorant, donc c'est une goutte. Je vais le mettre. Comme ça. Oh, c'est trop beau. En fait, j'ai envie qu'il soit rouge, pas orange, donc on va mettre encore une goutte. Regarde comment ça coule, c'est trop beau. Deux palettes d'alginate de sodium, donc là, le sodium, Amel, c'est toi qui vas le faire. Deux. Alors, une. Ouh. Donc là c'est bon. Mélangez bien pendant au moins 3 minutes. Donc je vais rester comme ça 3 minutes. Alors là il faut faire un deuxième mélange dans le verre de 100 ml. Donc là c'est 100 ml. Oui, 100 ml. Il faut rajouter 100 ml d'eau. Je crois que ça fait 100, non? Attends, je vais voir si c'est passé. On rajoute avec... Regarde. L'autre côté. C'est ça. C'est pile. Non, pas pile. Mais c'est pas... Amel, deux gouttes, ça va rien changer. Et 6 palettes de chlorure de calcium. Alors. Chlorure de calcium. Oh, j'aimerais trop être déjà en 6ème. J'aimerais faire ça. Amélia, crois pas trop en ton rêve parce que on fait pas tout le temps ça. Même pas du tout, c'est très rare qu'on fait des expériences. Hein. Moi aussi, je pensais que j'allais au collège faire plein d'expériences physique chimie. On fait rien. Fait quoi? Des exercices que je comprends pas. Je vais pas t'expliquer parce que je suis nulle aussi. Ça se voit, Elina, t'es nulle à la chimie. C'est... Tu le mets où il faut pas. J'ai remarqué. Il faut refaire, Amel. Et moi, je vais continuer ici. Oh, bah c'est bon, j'ai oublié les cuillères que j'ai mis. J'en ai mis 3, je crois. J'en ai mis 3. Là, c'est le 4ème. 5ème. 6ème. Allez, refais ça toi. Et je mets où? Bah là, renverse-le ici. Ah, tous nos trucs qu'on n'arrive pas à faire, on les met là. Et tout ce qu'on trempe parce qu'on est nul en physique. Je suis nul en physique, je sais. Attends, on va le laver. Alors, après ça, aspire à l'aide de la seringue le mélange d'alginate. Ah ben là, j'ai besoin de... My God, Amel. Là, la classe, ça va s'exploser, Amel. On fait n'importe quoi, on va tout refaire. Non, pas tout, mais on va faire la première. T'es sérieux? Pendant 3 minutes, mélange. Oh, j'ai oublié de mélanger l'autre. Non, oui, c'est ça. Eh ben, elle est là. C'est vrai que t'es pas forte. Hein. Ben quoi, je suis en train de mélanger. Qu'est-ce que tu me dis que je suis pas forte? C'est parti. Des baies. Oh my God, j'adore. Mais je sais pas, en fait c'est trop bizarre comment c'est formé. Il est grave long. Ah, c'est bon, c'était collé. Wesh. Il y en a partout. Mais il est long quand même. Attends. Là, là, là. Oh, le... J'aime trop. Oh.
Je pense que c'est moi qui ai fait l'écran comme ça là. Non. Voilà, j'aime trop. Moi je peux pas toucher parce que j'ai pas les gants, mais. Je touche. Essaye. Ah, l'intérieur c'est encore liquide. Il est gélifié, j'adore. L'intérieur c'est encore liquide. Bref, alors on a réussi cette la deuxième expérience, donc on va la mettre là-bas. Je pense que la porte devrait s'ouvrir. Non, toujours pas. Une dernière expérience peut-être sur l'autre cagnette. Hein. Oui, toi. J'étais en train de ranger et j'ai trouvé une lampe UV. Et j'ai une expérience à faire avec vous. Et cette fois-ci toute seule. Donc j'ai besoin d'un verre d'huile. Moi je n'ai pas l'expérience mais je vais t'aider Amélie. Tu me demandes et je viens. J'ai trouvé des couleurs fluorescentes. Un vert et un rose. Deux pipettes. Bon, je vais remplir les pipettes. Il me faut un truc pour les mettre après. Je vais prendre ça. Et là, faut que tu m'aides. Il faut que je fasse quoi? Faut que tu éteins la lumière, s'il te plaît. Oh, oh j'adore, c'est trop beau. Ah, mais t'as vu où cette expérience, je trouve? Oui, il me plaît. Tada! On prend un corps. Trop BGML, trop beau. Wow. J'ai envie d'éclater les bulles là, de couleur que là. Tu peux pas. Bon. Bon, Amélia, comme j'ai compris, on fait des expériences, la porte est toujours pas ouverte. Et t'as trouvé une lampe. Donc, on va essayer de trouver des trucs avec. Je peux ? Tiens, attends, je vais chercher. Peut-être c'est pas la lampe, donc je vais chercher derrière le cadre. Faut encore éteindre la lumière. Oh ah. Attends, peut-être c'est un truc. Non. Dedans, dedans. Oh. Dedans, ici, Amélia. Ici. Ok, alors. Après. Cherche. Ah, peut-être ce côté cherche là. Partout. Cherche partout. Là. Oh la porte. Quoi la Quoi, porte la porte, elle est fermée. Bah. Faut retrouver encore un indice ou peut-être, je sais pas. Alors là, je veux juste sortir, donc laissez-moi sortir s'il vous plaît. Non, peut-être les feuilles, non. 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 Non, y'a pas. Allez, va ton mur. Mur, amène bien. Mais fais pas n'importe où, t'as vu, là il y avait une petite étiquette, faut qu'on trouve une étiquette. Oh, un papier. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est? Allez, attends, faut qu'on éteigne les lumières. Ouverte. La porte ouverte. Mais on a essayé de l'ouvrir. Mais elle était fermée. Ah, vous êtes là, il faut aller à la maison. Ah, on est là. C'est vous nous avez laissé enfermés dans une classe. C'est pas bien ça, il faut pas nous ouvrir. On y va. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Voilà, on vous fait des gros bisous. Merci. On espère que ça vous a plu cette petite histoire, petit court métrage. Ciao.